Si l'art est un crime, tu peux toujours... Merde. Ok, mon petit Delsin, réfléchis. Ah, la teuf à la grande maison. Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh, mais je suis un vrai génie du crime. Ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là? C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe. Ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Rien, mais... Tu faisais des bêtises? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty, et elle sera là dans 5 minutes, avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes, et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière fois. La dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. C'est pas possible qu'il y ait rien de mieux à faire. Je t'aime, Liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. On est presque.
C'est pas passé loin. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Un bon plan, ça marche toujours. Hey, salut. Ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bon, peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Non mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec des actes de vandalisme? Écoute, vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi, j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon tu don essaies un truc... d'exploiter ton talent, bordel, mais de quoi mais pourquoi tu fais tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses allez, pas vas-y, dis-moi de quelle horrible si tu m'écoutais deux secondes, tu vas te sauver. Ah ouais, parce que là, j'y comprends rien. Reggie. Quoi? Regarde. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser! Ne pas s'approcher du truc qui explose. Pigé. Qu'est-ce que l'armée... Vache, mec! Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hé, hey, ça va? Merde, un flic. Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le! Et gardez les mains bien en vue! Je veux faire de mal à personne! Je veux juste foutre le corps avant qu'elle rapplique! Je vous ai dit de le lâcher! Sinon, je vais tirer! Reg? Oh merde, non! J'ai dit que je voulais faire de mal à personne! Reg? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! Non! Stop, stop, stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête. Reg. Reg, faut vraiment que tu m'aides, là. Qu'est-ce qui se passe? Reggie! Non! Reggie! Reg! Tu vas bien? Delphine, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais, ouais, ok, c'est bon. Aide-moi, aide-moi à pousser! Encore un peu plus. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas! Reg, ça s'arrête pas! Tout va bien. Ça va aller. Allez, respire. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non, non, non. Tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Ok. Ok, il faut qu'on y aille. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord? D'accord. J'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord ? Ouais. Allez. Ça va ? Ouais. On y va. Mais jure-moi de plus faire tes tours de passe-passe, ok ? Mais j'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne chose. Ok ? Parce que c'est pas le cas. Shérif ! On peut pas entrer ! Le bouton est pété ! Je crois que Betty y est encore. Mais merde ! Le loquet a fondu ! C'est fermé. Et comment ils ont pu passer ? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça ? Y a qu'un moyen de le savoir. Delphine est devenu un bioterroriste ! Mais non, il est pas ! Et merde. Dès que la tribu sera au courant pour toi, ils vont paniquer. Ouais, vas-y. Disperse la foule. Ok, je vais revenir avec de l'aide. On va voir si Betty... Ah, les conduits. C'est bon à savoir. Sacrant ! Waouh, ça... Ça doit faire mal. Pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty ! Il faut que vous sortiez, ne madame. Ne vous approchez pas de moi. J'essaie juste de vous non, aider, ne madame. Ne vous approchez pas. Stop ! Delphine ! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça ! T'es un porteur ? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici, maintenant. Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça ! J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion en or. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Eh ouais. Ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours. On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Je t'ai vu fouiner à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hé, attends, attends! Je te préviens, gamin. Lâche-moi! Non. T'iras nulle part. Tant que tu m'auras pas enlevé ce truc! Écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais toi aussi tu vas devoir disparaître. Pourquoi? T'es devenu un porteur, fiston. Un bioterroriste. Bienvenue dans le monde des fuis ou crèves. Et c'est bien ce que je compte faire d'ailleurs. Même si je dois te passer au travers. Tu bougeras pas d'un poil avant d'avoir réparé ça! C'est pas quelque chose qu'on peut réparer! Alors, montre-moi au moins comment je peux le contrôler! J'ai pas le temps. J'ai le DUP aux fesses. Et elle sait que je connais son plan. Je
Cette flambée va nous faire max 2, peut-être 3 minutes de diversion. Faut que je m'arrache, moi. Je retournerai pas en tôle. Écoute, mon vieux. Ceux qui vont débarquer viennent pour toi. Sûrement pas pour moi. T'as vu, gamin? Les gens sont au courant. Elle est douée pour faire avouer n'importe quoi. Bonne chance, fiston. Ah non, je crèverai pas au milieu des tripes de poisson. Écoutez, laissez-moi partir. Laissez-moi disparaître. Et personne ne saura jamais rien de tout ça. Non, attendez, attendez, on peut en discuter. Oh, Henri. Vous me décevez énormément. Bon, on l'a eu, hein? Pas vrai? J'ai attrapé ce méchant porteur pour vous. Bon boulot, tout le monde, hein? Surtout vous, les gars. Bioterroriste. Henri Dautry était un bioterroriste. Porteur est le terme utilisé par les traîtres qui soutiennent leur cause, et vous n'êtes pas un traître. N'est-ce pas? J'essaie d'éviter. Vous avez l'air nerveux. Non, je suis pas nerveux. L'expérience m'a appris qu'il n'y a que deux raisons de se sentir nerveux. Soit par lâcheté, soit parce qu'on a quelque chose à cacher. Je suis aussi nerveux quand je croise une jolie fille. Vous avez passé un certain temps avec ce terroriste. Est-ce qu'il vous a confié quelque chose? Confié? Est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Fait part de ses élucubrations au sujet de conspiration? Non, il m'a rien dit du tout. Bien, bien. C'est mieux ainsi. Vous voyez, nous sommes engagés dans un combat à mort avec ces bioterroristes et mon travail consiste à faire tout ce qu'il faut pour qu'on en sorte victorieux. Mais ce que je pige pas, c'est que vous êtes une bioterroriste aussi, non? Ok. Oui, c'est vrai. Parfois, il faut combattre le feu par le feu. Et je sais maintenant que vous n'êtes pas un lâche. Ce qui veut dire que vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce que vous faites là? Vous pouvez pas faire ça, j'ai des droits! Et figurez-vous que moi, j'ai le pouvoir de vous priver de vos droits si je l'estime nécessaire. Comme maintenant, par exemple. Alors je répète. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Et je vous le répète à mon tour. Il paraît que ça fait mal. Je sais, moi, ce qui s'est passé à l'intérieur. Non, Betty, non, arrête. Vraiment? Vous persistez? Bon. À moins que vous ne vous décidiez à me dire la vérité, je vais discuter avec cette gentille dame. Mais je vous préviens, le béton n'est pas tendre avec les vieux os. Et si elle refuse de parler, je passerai à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que quelqu'un parle. Alors, vous avez quelque chose à me dire? Ou vous préférez que je m'adresse à vos amis? Alors vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. J'espère que vous n'êtes pas aussi buté, n'est-ce pas, Betty? Oui, il paraît que ça fait mal. Allez,
quoi ce bordel? Ils ont transformé la grande maison en hôpital? J'ai dormi combien de temps? Qui serait capable de faire ça? Elle a blessé combien de personnes? Et personne n'a pu l'arrêter. Oh, c'est pas vrai. Betty! Je suis contente de te voir debout. Augustine n'est pas du genre à rigoler. Hein. Eh bien, personne ici n'allait te trahir pour se protéger. On est des Akomish, on protège les nôtres. Ouais. Je suppose que j'ai fait le bon choix. T'imagines ce que cette poufiasse aurait fait si j'avais parlé? Sûrement ce qu'elle a fait à tous ceux qui étaient ici, quand toi tu n'as rien dit, Delsine. Rends-moi service. Dis à tout le monde que... je les remercie de m'avoir couvert comme ils l'ont fait. Ok. Oh merde, Delsine. Oh. Bon sang, j'ai vraiment cru que t'allais y rester. Du béton dans les jambes? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux... talents. À ce propos, ce truc de dingue avec... tes mains... ça a disparu ou pas? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux? Hé, hey, Delsine, ces gens, ils vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que t'étais inconscient, ils savent. Et ils ont dit que... ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Hé, pas si vite, attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive? Arrête, Dieu, je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vu. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Delsine, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir, je sais. Ce qui veut dire... qu'on n'a même pas besoin d'Augustine? Juste de son pouvoir? Ok, là je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident? Hein? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle? Ouais voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up? T'as pas de pick-up, je... pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir, et on peut rentrer à la maison sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... tu sais, nous descende. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire
qu'il y a 500 000 de personnes à Seattle qui se réjouissent pas vraiment d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas, Dale, ok? On va tout arranger. On va réussir à te soigner. Me soigner? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais? C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok? Van Gogh était pas normal. Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord? Les gens ont peur des bioterroristes. Ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés. Oh, oh vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied. À pied? Hein? Où est-ce que tu vas? Hé! Merde. Sans déconner. Regarde un peu ça. Écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Cool. On se croirait en trip sous acide à Vegas. Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Putain, Delsin! Hé, est-ce que ça va? Tes bars? Ça va plus que bien, ouais. Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Ouais, c'est nouveau. Ah ouais, c'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delsin, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà, pas d'en rajouter. Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine de béton. Hé, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein? Quel autre moyen? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois. Et j'en ai même certains dans la police. Non, non, si non, 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 non. C'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi? C'est pas un problème qui te concerne. C'est mon problème. Théo, c'est... y a quelqu'un? Vous m'entendez? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un? Va sauver la demoiselle en détresse. Y a c'est quelqu'un? S'il vous plaît. Ok, d'accord. On y va tous les deux. Ah, non, 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 non. Va donc jouer au Super Flick, tu veux? T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie, surtout, ne touche à rien! Je compte bien toucher à tout. À tout. Ah ouais. À toi l'honneur, petit. D'accord. Ouais, je pourrais carrément m'habituer à ce truc-là. Tu es prêt? Ah ouais, ça, ça doit le faire. J'ai besoin de toi par ici. Hé, vieux, tu croiras jamais d'où venait le bip. Ramène plutôt tes fesses, ok? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles et il est coincé. J'aimerais les convaincre de laisser tomber le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord. Bon, dis-leur de s'accrocher. Je vais décoincer le bus. Delsin, je sais à quoi tu penses, et c'est non. Hé, je viens de descendre une flotte de quadcoptères. C'est pas un bus qui va me faire peur. Ça va prendre des plombes. Il y a sûrement un moyen plus rapide. Rien ne peut plus m'arrêter! Delsin, je t'ai dit de ne pas... Ah, désolé, Reg, je t'entends pas. Je suis un héros très bruyant. Delsin, je ne veux... Oups, ça a coupé. Ces petits boutons et mes gros doigts...
Ok, on dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. Dites-moi que je rêve. Allô ? Delphine, on a un problème. Il y a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes super-pouvoirs pour dégager la route. Et ils ont peur de toi. Quoi ? Écoute, je t'avais prévenu. Les bioterroristes ne sont pas vraiment populaires. Alors quoi ? Je suis Rosa Parks maintenant ? Ils veulent quoi ? Que j'aille m'asseoir à l'arrière du bus ? Non, ils veulent que tu restes à l'extérieur du bus. Ils veulent pas de toi, pigé. Ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi, je m'en fous, ils ont qu'à marcher. Tu crois peut-être que cette porte peut m'arrêter ? Je t'interdis de faire ça. Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil et ils ont peur, compris ? Alors je peux pas leur en vouloir. Il a dit qu'il allait défoncer la porte, démarrer ! Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foulée, d'accord ? Il y en a pour 5 minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. 5 minutes. Écoute-moi, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Ah, tu veux dire, maintenant ? Votre attention. La mise en service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Toutes les personnes et tous les véhicules... Ouais, c'est une info qui peut servir. Yacine, j'ai fait traverser les bénévoles. Le DUP. Nettoyer le pont. On va venir te chercher, alors. Reggie, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Allô ? Hey ! Hé ! Je peux vous aider ? Oh merde ! Un bioterroriste ! Hé ! Il y a un de ces monstres juste mal. Là ! Quoi ? Non ! Non, 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 non ! Oh, je sens que ça va me plaire de guérir en accéléré. C'est pas la meilleure idée de vous attaquer à moi. Ça va, c'est bon, j'abandonne. Lâche-moi, lâche-moi. T'as oublié le mot magique. Votre attention. La mise en service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Ceci était le dernier avertissement concernant l'évacuation. Oh, ça va trop. Reggie ! Allez, réponds ! Oh putain. Ça, c'était un pont.
suis pas loin, Reg. Allez, le relais de noyau, fais-moi rêver. Ça se tente. Ok, le cosmos, continue comme ça. Wow, ok, c'est bon, tranquille. Pas trop le moment, Betty. Tu es partie sans me laisser le temps de finir la discussion. Ouais, mais bon, tu vois, j'ai une vie. J'ai entendu dire que Reggie et toi étiez en route pour Seattle. Tu peux m'expliquer? Faut vraiment que j'y aille, Betty. Je t'embrasse. Ne bouge plus. Allez, tiens bon, Delphine. T'es presque au bout. Maintenant, ça fait bon. Encore ton mauvais bras, hein. Delphine ? Ouais, ouais, j'arrête. Allez. C'est bon. Merci du coup de main. Regarde ça. Ah, tu commences vraiment à maîtriser tes nouveaux symptômes. Ouais. Bon, le seul inconvénient à tout ça, c'est que... Non. Je vois pas d'inconvénient. C'est vraiment énorme. Ah ouais? T'es sûr de ça? Et ces types armés jusqu'aux dents là-bas qui veulent te faire passer un sale quart d'heure? C'est pas un inconvénient? Ouais? Écoute, si ça se trouve, on arrivera à te faire passer la sécurité. Parce que t'es pas un bioterroriste ordinaire, si tu... Ordinaire? Non. Si pas ordinaire, tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer les tests? Alors non, Reggie, je suis pas ordinaire. Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont? Ils me font pas peur. Écoute, on va d'abord essayer de te faire passer les postes de contrôle sans que tu te fasses griller. Ce serait beaucoup plus simple pour se déplacer en ville. Ok, d'accord. Fais ça à ta façon. On la joue subtile. Écoute-moi bien. Tu dois me promettre que tu vas la jouer cool. Même mes ennemis m'appellent Monsieur Cool. Personne ne t'a jamais appelé comme ça. Jamais. Est-ce que ça t'inquiète vraiment? Écoute, les pouvoirs de ces gars du DUP sont pas aussi puissants que les tiens. Enfin, que ceux des bioterroristes naturels. Mais avec ce que le gouvernement leur a mis dans les veines, ils ont de quoi faire des dégâts. Ok, c'est officiel. Tu viens me pourrir mes belles vacances à Seattle.